Salut les petits loups, donc aujourd'hui on se retrouve sur Forza Moto Sport 7. Donc dans cet épisode c'est que des IndyCar. Donc c'est que de l'IndyCar. Donc voilà, donc ouais, ça a été tranquille au niveau de la game. Et donc du coup, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, non. Donc là, je suis en train de faire un jeu concours. Donc les résultats seront peut-être là d'ici cet après-midi. Donc on verra si les gens ils ont tenu parole. Donc pour l'instant, il y a 6 personnes qui sont venues sur mon serveur, mais auxquelles ils sont abonnés. Et toi, tu n'es pas une seule personne qui s'est abonnée, donc c'est pas la peine. Donc elle n'aura pas de jeu convenu. Donc j'ai dit qu'il fallait s'abonner. Donc si la personne veut le jeu, bah, faut qu'elle s'abonne tout simplement. Voilà. Donc là on est en direct live. Donc pour me commenter. Donc là je suis en train de jouer actuellement. Donc on est en championnat IndyCar. Donc voilà. Bon, c'était un peu chelou au niveau de ça. Ah, désolé. Donc du coup, là j'ai repris. Et donc là, je suis en train de faire cette fameuse course. Donc là, on est le 30 décembre. Donc on est le 30. Il y a juste l'épisode 10, comme je vous ai dit la dernière fois, qui était à... qui a été tourné avant parce que bon j'ai pas pu le faire justement. Donc bah voilà, là j'y suis au deuxième tour. Bon, ça va, c'est assez rapide. Mais en plus c'est juste une petite course hein. C'est rien de bien méchant quoi. Donc là on est à peu près à la moitié du deuxième tour. Ouais. Trop long, trop large même. Ouais, donc là, on va arriver dans le dernier tour. Pardon. Donc comme je vous ai dit, là j'ai fait le jeu concours. Non, je me suis pris le Watch Dogs 2. Donc t'es pas mal. Du coup, là je suis en train de voir comment faire des nouveaux jeux. Il y a Watch Dogs et tout ça. Il y a aussi donc Dishonored où je vais faire des vidéos dessus. Donc Dishonored là. Il y a aussi, attendez, que je me rappelle, il y a Watch Dogs, je vais faire une vidéo, demain je vais faire une série de vidéos, Dishonored, Forza 3, donc ça va arriver bientôt, je fais déjà
je vais faire ça, puis après je ferai le reste pour la suite. Oh. Mais déjà, Forza 3, déjà tous les épisodes sont tournés. Donc ça sera pas du commentaire direct, ça sera du commentaire différé. Donc ça, après, je le préciserai à partir de la troisième vidéo, parce que j'avais déjà tourné les deux. Les deux premières, donc complètes avec commentaire, donc j'avais déjà fait ça, et là j'ai juste fait déjà deux épisodes. Après, par la suite, il y a déjà beaucoup plus d'épisodes, hein. Il y en a, moi, je crois, 8 ou 9 tournés, mais pas commentés. Donc les 7 autres vidéos, ça sera du commentaire différé. Donc ça, après, je ferai la petite précision au niveau de ça. Donc j'ai vu qu'il y avait des jeux qui étaient pas chers. Donc c'est pour ça que j'ai profité. Pardon. Là j'ai juste terminé de manger, donc c'est un peu compliqué. Moi quand je mange, le problème c'est que je baille beaucoup pendant un moment, puis après ça va tout seul. Donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Salut, donc là on se retrouve. Pardon. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo. Donc le circuit, je m'en rappelle plus trop du nom du circuit. De toute façon, au bout d'un moment, je les connaîtrai à peu près pas tous, mais je vais apprendre aussi un petit peu à les mémoriser. Là, je vais pas faire un trop grand commentaire, donc ce que je vais faire, je vais un petit peu commenter, puis je vous retrouve après donc pour le dernier tour. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Ça ira du sel. Parce que là, il faut que je me concentre sur le jeu, parce que sinon je vais m'endormir. Donc on est toujours le 30 décembre. Il est midi. Donc il est midi. C'est pour ça que j'ai pas de bail depuis le début de la vidéo. Donc je vais finir de manger. Donc du coup, je crois que c'est la dernière course en IndyCar. Et après, je sais pas de quoi je ferai, dans quel championnat je ferai cette course, donc je sais pas encore. Je vais bien voir. Donc on verra ça par la suite. Donc là, ce que je vais déjà faire donc aujourd'hui, c'est pour voir pour mettre une nouvelle vidéo en ligne. Je pense que ça va aller assez vite. Donc on verra bien dans l'après-midi si elle sera déjà mise en ligne. Je verrai ça par la suite. Pour l'instant je ne sais pas, donc je peux pas trop vous dire. Donc là je veux mettre l'épisode 3 de Forza Motorsport 7. Donc que j'avais déjà tourné il y a à peu près une dizaine de jours, je crois. À peu près. Pardon. Peut-être un peu moins qu'une dizaine de jours. Il me semble que j'avais tourné le 24 ou le 25. Donc c'était au soir, c'était pas le matin ou l'après-midi, c'était au soir. Donc du coup, ça serait bien qu'elle soit cet après-midi en ligne. Donc je verrai bien pour essayer de la mettre en ligne, donc avant 5 heures. Je pense que ça va être peut-être un petit peu juste. On verra bien. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais commenter toute la vidéo. Donc là, je sais pas pour combien de temps il y en aura. Sûr, il y en aura déjà au moins pour 5, peut-être 5-6 minutes. Tant que je fasse tous les tours, tout ça. Après les tours, ça dure en général. Je vais tabler peut-être sur 1 minute 30. Donc à peu près 1 minute 30. Hein. Je vais bien voir autour là. 1:26, ça va. Donc c'est le meilleur temps que j'ai, c'est 1:26. Je vais essayer de tabler dans les 1 minute 30, on verra bien. Donc comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, plus vous montez dans les championnats, plus les courses elles sont rapides. Après ça dépend du circuit bien sûr. Sur le Nürburgring ou
Une IndyCar, je sais pas, je crois que c'est de l'ordre de 7-6 minutes, je crois. Quelque chose dans le genre. Parce que les derniers circuits que j'avais fait, c'était pas de l'IndyCar, c'était de la monoplace. Et il me semble que j'étais dans les 8 minutes, il me semble, quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça, je crois que c'était à peu près 6 minutes. Entre 6 et 8 minutes, ça dépend vraiment des voitures, de la classe et de la puissance de la bagnole, quoi. Donc là, on est déjà à 4 minutes 13 à peu près. 4 minutes 13, donc je pense 6 minutes. Pardon. Oh putain, ça m'énerve ça. J'essaie toujours d'être concentré, mais c'est assez dur. Là, on y va tranquille, il faut toujours bien freiner, après ça sert à rien d'aller trop vite. On prend le virage tranquille. Ah, donc là vous voyez que les pneus donc, en bas à droite sont déjà dans les jaunes. Donc les deux premiers et le troisième donc. Oh, pardon. Le troisième à droite il est déjà jaune. Et le quatrième gauche, ça y est, il a commencé à devenir jaune. Après, je sais pas trop ce que ça fait quand on les met en noir. Donc, je pense que le pneu, bah, déjà, il éclate. Donc, ça, j'ai pas encore testé. Je voudrais bien tester, mais je sais pas comment faire. Donc là, on arrive à la ligne d'arrivée. Hop. On est toujours avec la fameuse Honda. Donc là, ils disent que la vidéo, dans environ 3 heures, elle sera disponible. Donc à 3 heures d'après-midi, normalement. Normalement. Attendez, 1h30, 2h30, ouais, à peu près 3h30, 4h dans les eaux là. On verra bien comment ça va se passer. Voilà, donc là j'ai une nouvelle voiture. J'ai pris donc la Lola. Donc on verra quand on pourra la rouler. J'espère la rouler assez rapidement, on verra bien. Alors, donc là, on a fini un championnat. Je sais pas quoi prendre comme. Bah, tiens, on va prendre de Forza P2, tiens. Il me semble que celle-ci, j'avais débloqué. Ouais, je vais prendre celle-là. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'autre. En attendant que monsieur finisse de parler. Voilà, donc la vidéo, j'ai commenté. L'autre dernière vidéo, je sais pas si je vais la commenter. On verra bien. Bah, sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite pour le prochain épisode.
Donc là, si on vous trouve pour la course, bon, j'ai vu c'était déjà circulé. Donc là, on se retrouve sur la nouvelle voiture donc, que j'ai débloquée. Du coup, je pense encore commenter un petit peu, donc commenter toute la course. Et puis après, donc je vais un petit peu lâcher pour le prochain épisode. Donc je sais pas si je commenterai tout prochain épisode, donc on verra bien. Donc là je laisse un petit peu je vous laisse un petit peu regarder hein. Donc là sur la vidéo là, donc comme ça je dis des suites, c'est pas du commentaire direct, j'ai enregistré la vidéo, donc là on était le soir hein, bien sûr, donc j'ai pas pu enregistrer donc avec la voix, donc là on est le 30, donc on n'est pas le 30 au soir, j'avais tourné le 29, vous avez juste la suite, j'avais tourné un petit peu avant, donc bah, les deux autres vidéos là, en fait elles ont été tournées l'après-midi donc du 29 et ceci avait été tourné le soir du 29. Moi, je me suis trompé en fait dans la date où ils avaient enregistré, donc je pensais que c'était le 30, mais non c'était bien 29, donc ils avaient enregistré l'après-midi, donc les deux premières. Et la troisième, donc j'ai pas pu l'enregistrer donc parce que en fait mon frère rentre à 17h, donc j'ai pas pu l'enregistrer justement. Donc du coup là j'ai enregistré la vidéo mais j'ai pas pu enregistrer avec la voix, donc du coup là je l'ai fait là. Donc ben, en attendant là je suis un petit peu sur mon PC voir ce qu'il y a tout ça. Donc il y a des gens qui nous ont rejoints. Donc qui ont rejoint tout ça. Donc je sais pas si je vais mettre une vidéo en ligne, je verrai bien. Par la suite, je sais pas encore. Bah du coup, voilà. Pour moi, c'est à peu près tout. Je sais pas quoi dire d'autre. Honnêtement, je sais pas. Du coup, là, je suis en train de discuter avec mes collègues. Bah, avec un pote. Donc là, vous entendez le clavier, forcément. Donc bah, je vais voir justement pour faire pour tenir un autre épisode, donc cette fois-ci qui sera en direct, on verra bien. Donc après l'autre vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, ça c'est le truc. Je vais essayer de tabler en une demi-heure, donc on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Donc là, l'épisode 11 est déjà tourné actuellement. Donc, la diète est enregistrée. Enregistrer, commenter directement aussi. La course, comme ça, bah, je vous le dis, c'est en classe. C'est en classe R, il me semble. Et c'est avec une BMW. Donc, style Lamborghini Countach. C'est un style, hein, c'est pas vraiment la tournée de Lamborghini. Le seul gros défaut que je trouve à cette bagnole, c'est qu'elle part beaucoup à sucette. Faut freiner beaucoup pour avoir très peu de résultats. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon après ça reste une voiture pas agréable à conduire parce que bon elle part souvent en couille, mais sinon ça va. C'est pas une voiture énorme quoi. Donc on verra. On verra par la suite comment ça va se passer. Ah.
Donc là mon pote il me demande ce que je fais. J'ai dit que j'étais en train de record. Bah, en train d'enregistrer ma jolie petite voix. Donc du coup je sais pas si je vais enregistrer l'autre vidéo donc avec ma voix, on verra bien. Mais en tout cas si je le fais pas, bah, on verra bien. De toute façon je verrai à la fin de la course. De toute façon après le reste des épisodes ça sera justement sur la classe 1, donc ça sera sur la classe R. Ça sera pas sur une autre classe, sur un autre championnat, donc je sais pas, je pense pas parce que là c'était la première course. Voilà, donc là c'est la première course. Donc il y en aura encore 5 derrière. Mais je pense pas que je finirai en un épisode. 1, 14, 5 et 14. Voilà. Ben, sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode.